Le parcours de la course est déjà bien établi et toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette activité. Cette course, qui s'organise dans un contexte spécifique de coronavirus, exige le respect scrupuleux des règles barrières pour la protection des athlètes. À travers cette manifestation sportive, la Ligue d'athlétisme pour la commune de N'Djamena veut bien renaître aux athlètes le goût des compétitions, l'opportunité de jauger leur talent, car un athlète sans compétition est comme un arbre sans fruits. En même temps, cette course spéciale offre l'opportunité à la Ligue de détecter les meilleurs talents, les meilleurs athlètes de notre commune, aptes à nous représenter et de défendre valablement les couleurs nationales et capables de triompher de tous les adversaires. Animé par la ferme volonté de redonner le blason à l'athlétisme de notre pays, le seul leitmotiv de la Ligue reste l'athlète, encore l'athlète et toujours l'athlète. Je lance un appel au public ndjaménois de sortir nombreux ce matin du 23 août 2020 pour encourager nos athlètes, car cette course est spéciale en son genre au prix alléchant mis à compétition qui varie de 150 000 à 1 million. Aux athlètes, je leur demande d'être sereins et combatifs, d'avoir un esprit sportif et de fair play.